Yo tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo Sayem Liquide. Aujourd'hui nouvelle vidéo sur la carte de Serge Gnabry Freeze, carte Freeze 88 qui vaut 231 000 crédits les frérots. Du coup voilà, il reste 13 jours, ça veut dire quasiment 2 semaines les mecs. Vous avez grave le temps, on va parler de cette carte. Il a 4 de geste technique, 4 de mauvais pied, c'est très très bien. Il a l'éleveur en attaque, il fait 1m75. Donc voilà, on va parler de ses caractéristiques. Il a la fragile, flair, tireur de loin, dribbleur rapide et dribbleur technique. Donc voilà, on va parler de cette carte. Niveau vitesse, il a l'accélération, manque de vitesse. Pour un MOC, c'est dommage. Niveau placement offensif, il a le placement offensif. Finition, il a puissance de tir aussi. Tir de loin aussi, niveau tir c'est très très bien, rien à dire. Niveau passe, il a la vista, il a la passe courte, passe longue, donc rien à dire, c'est bien. Niveau dribble, il a l'agilité, équilibre, après réactivité, conduite de balle, donc voilà. Après niveau physique, il a pas la détente, manque d'agressivité et de force. Mais sinon, il a l'endurance, il tient 90 minutes sans se fatiguer. Moi, je conseille de lui mettre un petit style chasseur ou soit moteur, les mecs. Hein. Mais je conseillerais plus chasseur, tu vois. Je conseille plus chasseur ou à la limite, vous mettez ombre, c'est bon. Hein. À la limite, vous mettez ombre et après, c'est bon. Du coup, il y a deux défis à faire pour ce SBC-là. Du coup, voilà. Alors, ce SBC premier, il y a Bayern Munich. Donc voilà, et deuxième, Bundesliga. Le Bayern Munich goûte 52 000 crédits. Premier défi. Donc voilà, il faut un joueur FC Bayern, une note générale équipe 84 et un collectif 70, mec. Et après, vous finissez ce premier défi. Deuxième défi, c'est Bundesliga qui vaut 177 000 crédits. Donc voilà les potes. Il faut un joueur Bundesliga, une note générale équipe 86 et un collectif 60 les mecs. Et après, vous finissez ces deux défis-là pour 230 000 crédits et vous récupérez Serge Gnabry 88 Freeze. Franchement, il a une carte intéressante. Hein. Moi, je conseille. Franchement, il a une belle carte. Il faut lui mettre juste ombre ou chasseur, les mecs. Vous faites comme vous voulez. Comme ça, ça lui booste sa vitesse. Parce que pour un MOC, c'est important la vitesse. Hein. C'est important, tu vois. Après, sinon, niveau tir, il manque de rien. C'est juste la vitesse, tu vois. C'est juste la vitesse. Après, il manque un peu de physique, mais c'est pas très grave. À la limite, c'est pas très grave. Du coup, voilà, vous avez 2 semaines. Faites-le pour... moi, c'est un conseil. Faites-le pour... là, il a 230 000. Faites-le moins 200 000. Faites-le 200 000 crédits. À la limite, vous faites 200 000 crédits, c'est bon, les mecs. Hein. Donc, voilà, avec vos joueurs. Et vous avez 2 semaines. Hein. Vous avez grave le temps pour le faire. Et voilà, les mecs. Du coup, voilà, c'était mon avis sur Serge Gnabry. Il faut le faire. Pour moi, il faut le faire. Il faut tester les joueurs, comme on dit. Après, si vous aimez pas, vous mettez dans les SBC et tout. Vous jetez Serge Gnabry dans un SBC hein, si vous aimez pas. Donc voilà, c'était mon avis sur Serge Gnabry 88 Freeze. N'hésitez pas à liker, commenter et à dire votre avis sur cette carte-là. Je vous dis bonne soirée à tous. On se retrouve à demain. Pour un nouveau live, bonne vidéo, Stayem Liquide, bye.